Comme je vous l'ai annoncé, nous allons donc parler du suivi de la mission qui m'avait été confiée par le Premier ministre l'an passé, en 2018. Mais avant, j'avais quelques précisions à vous apporter sur ma mission et mes travaux et sur la 11e circonscription. Alors, je cherche tout d'abord dans mes dossiers que je puisse, voilà, vous donner les informations en direct. Alors, donc nous sommes donc le samedi 6 avril. Il est à Paris un peu plus de 9 h du matin. Comme c'est donc notre permanence virtuelle du mois d'avril, avant de me lancer sur le sujet pour le que je vous avais proposé pour aujourd'hui, j'ai été interpellée sur les réseaux sociaux sur certains sujets et j'aurais voulu vous apporter des précisions. Donc, dans les travaux que je mène, là, je vais spécifiquement parler de cette mission des Français pour les Français à l'étranger, la mission donc elle a intégré tous les Français à l'étranger, pas seulement ceux de la 11e circonscription, qu'on soit bien d'accord. Et par ailleurs, à l'Assemblée, vous savez que je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Alors, parlementaire d'un côté, membre de la Commission des Affaires étrangères de l'autre, ça signifie que, comme parlementaire, même si je suis élue par vous qui êtes sur la 11e circonscription, celle qui va donc de la Russie à la Nouvelle-Zélande, il n'empêche que la Constitution est très claire, je suis députée de la nation. Et à ce titre-là, je dois aussi m'intéresser aux sujets qui concernent des personnes qui sont à Limoges, à Papeete ou à Lille. Et c'est bien normal, je ne peux pas me concentrer que sur la 11e circonscription, ça me serait reproché à juste titre. Voilà, donc c'est pour ça que je ne peux pas m'intéresser à tous les sujets non plus, on ne peut pas être compétent pour tout, mais je travaille sur la filière exportation, le commerce extérieur de la France, c'est-à-dire à la fois la plateforme de décollage, ce qui se passe en France, et la plateforme d'atterrissage, ce qui se passe quand une entreprise arrive à l'étranger, que ce soit dans la 11e circonscription ou pas, ou ailleurs. Donc ça, je voulais bien bien le préciser. Mais également, je suis membre de la Commission des Affaires étrangères. Et à la Commission des Affaires étrangères, eh bien, nous nous occupons d'affaires étrangères. Donc on s'occupe de ce qui est effectivement le précaré du président de la République, qui est mis en musique par Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, de l'Europe et des Affaires étrangères, mais également au travers de ce qu'on appelle de la diplomatie parlementaire. Je suis d'ailleurs membre de l'Union interparlementaire, qui est une assemblée interparlementaire mondiale qui réunit des parlementaires du monde entier, et nous discutons de sujets comme l'égalité femmes-hommes, comme l'accès à la liberté d'expression, comme des sujets de droits humains, comme des sujets de fausses nouvelles, de sciences intègres, des sujets très variés. Donc, j'ai été interpellée, pourquoi? Parce que j'ai donné des informations sur des faits politiques qui se sont passés dans la 11e circonscription. Notre 11e circonscription est très chargée en actualité. Nous avions, il y a quelques mois, des élections au Cambodge. Nous en avons eu la semaine dernière en Thaïlande, également en Ukraine, avec un deuxième tour en Ukraine le 21 avril. Nous avons des élections à venir en Indonésie. Nous en avons aussi, j'ai oublié, très importante l'année dernière en Malaisie. Il y aura des midterms aux Philippines bientôt. C'est le jeu de la démocratie. Évidemment, avec 49 pays, statistiquement, il se passe toujours quelque chose dans la 11e circonscription. Il est normal que la commission des affaires étrangères à laquelle j'appartiens, et donc que le commissaire aux affaires étrangères que je suis, s'intéresse à ces enjeux politiques dans lesquels il y a des enjeux géopolitiques très importants. Je voudrais par exemple signaler que notre ambassadeur en Birmanie, là, il y a quelques jours, a fait une conférence auprès de la communauté de Birmanie, enfin pas française, la communauté birmane, des Birmans, pour parler avec un titre de conférence très intéressant. Je vais peut-être un tout petit peu le déformer, mais de mémoire, c'était la France, pays riverain de la zone Indo-Pacifique, ou quelque chose comme ça. Donc vous voyez que le sujet est très intéressant. La France est présente dans la 11e circonscription, pas seulement avec ses territoires d'outre-mer, mais avec vous tous. Et donc il est bien normal que la commissaire aux affaires étrangères que je suis, au sein de la commission des affaires étrangères, s'intéresse à des sujets de géopolitique. Voilà, je n'ai pas de jugement à porter, je n'ai évidemment aucune leçon à donner, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit au moins d'être attentif, il s'agit au moins de comprendre ce qui s'y passe. Et vous savez, vous êtes vous-même dans votre pays, je suis sûre que vous-même, vous avez une lecture de la politique de votre pays certainement très affinée, très précise.
et qui n'est pas facile à avoir quand on est à 10 000 km, quand on est à Paris. Donc c'est justement ce que je fais que d'essayer de rapporter les informations que vous portez pour pouvoir apporter un éclairage qui sera complémentaire de ce que notre diplomatie peut faire. Je dis bien complémentaire. Donc c'est extrêmement important, j'y tiens beaucoup, vous le savez depuis le départ, je défends votre présence, notre présence dans ces différents pays. Et pour l'anecdote, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de rencontrer l'ambassadeur de France, pardon, l'ambassadeur de Singapour à Paris, Zain Al-Manta, et dans des réunions, je pense à l'Assemblée devant le groupe d'amitié parlementaire France-Singapour. Monsieur l'ambassadeur était invité et en fait il a présenté le pays et puis au bout d'un moment il a dit: écoutez, je vais laisser parler Anne parce que je crois qu'elle connaît Singapour mieux que moi. C'était une boutade, évidemment, mais c'était pour dire qu'en tant que Française résidant là-bas depuis très longtemps, j'avais effectivement une connaissance du pays, une intimité avec le pays qu'évidemment peu de personnes, sauf ceux qui sont comme moi là-bas depuis très longtemps, et on est nombreux, pouvaient porter. Et c'est du coup, je parlais avec beaucoup de conviction à mes collègues parlementaires. Donc c'est ça, c'est votre position dans ces pays que je défends et que je veux absolument, à laquelle je veux sensibiliser nos concitoyens en France. Donc vous qui êtes dans les pays, ne vous heurtez pas, je ne porte aucun jugement sur les élections de tel ou tel pays. J'ai aussi à m'intéresser à ce qui se passe dans ces pays-là. Voilà, je voulais le préciser parce que j'ai senti qu'il y avait une petite incompréhension par rapport au rôle du parlementaire. Évidemment, je serai en commission des finances ou en commission des lois. Je ne parlerai pas tout ça de la même façon, naturellement. Mais étant commissaire aux affaires étrangères, vous comprenez bien que les sujets de politique étrangère me tiennent à cœur et je dirais même me passionnent. Voilà, donc c'était une petite mise au point qui me semblait importante. Alors, j'attends vos questions puisque dans la 11e circonscription, il se passe des choses et je voulais parler plus précisément du rapport que j'ai rendu l'année dernière. Pourquoi? Parce que je vous l'avais promis, je ne voulais pas que ce rapport soit un rapport étagère, un cale-livre sur le coin au fond d'un placard. Pour ça, eh bien, ça demande toute l'énergie d'un parlementaire et il en faut, je vous garantis qu'il en faut. Alors, comment je procède? Eh bien, je reprends la liste de mes recommandations. Voilà, j'ai un beau petit document qui est là, de la première à la dernière. J'ai des petits codes couleurs, ça c'était un code couleur ancien que je m'étais mis au moment où j'ai rendu le rapport que j'avais donné au Premier ministre pour lui dire quelles étaient pour moi les priorités absolues et celles qui pouvaient éventuellement être un peu différées. Et puis, je prends ces recommandations, j'ai fait une petite colonne en face pour savoir quelles sont les personnes au sein de l'administration française que je dois rencontrer pour leur demander où ils en sont. Et puis, je propose des rendez-vous, les personnes viennent et je fais ça de façon un peu scolaire, c'est vrai, mais je prends les recommandations dans l'ordre en disant: voilà, celle-ci, la numéro tant, voilà ce que je disais, où en sommes-nous? Que s'est-il passé depuis le mois de septembre 2018? Et la recommandation est-elle mise en œuvre, oui ou non? Oui, ben expliquez-moi comment, non, pourquoi, qu'est-ce qui bloque, que peut-on faire pour faire avancer le sujet? Alors pour le moment, dans le cadre de ce rendu, j'ai rencontré Monsieur Laurent Gallet de la Caisse des Français à l'étranger. J'ai rencontré quatre personnes différentes pour ce qui s'appelle le GIP Union Retraite, qui est la structure, elle a un nom un peu barbare. C'est la structure qui pilote le site qui s'appelle Info Retraite. Alors pourquoi la retraite? Parce que évidemment, sur les près de 200 000 Français qui sont dans la 11e circonscription, tous ne sont pas retraités. Nous avons quand même, hein, à peu près 18% de retraités dans la 11e circonscription et rien que 1 500 pour la seule Thaïlande, donc c'est tout de même beaucoup. Pour information, d'ailleurs, sachez que des retraités du système du régime général de base, la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France, la Caisse nationale d'assurance vieillesse a dénombré précisément 1 600 000 retraités pensionnés de la CNAV qui sont à l'étranger. J'ai eu la question d'ailleurs sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Parmi ces 1 600 000, il y a à la fois des Français et des ressortissants d'un autre pays, d'une autre nationalité. J'ai par exemple en tête le cas d'un Japonais qui habite le sud du Japon et qui a travaillé des années en France et qui a décidé de passer sa retraite au Japon. Ce monsieur perçoit au Japon sa retraite de source française. Voilà, donc nous avons 1 600 000 retraités français ou pas à l'étranger. Et pour la 11e circonscription, je n'ai pas le décompte précis par pays, mais en tout cas, je sais qu'on en a 1 500 rien que pour la Thaïlande et nous en avons dans d'autres pays. Dans le sondage
que j'avais fait l'an dernier pour la mission, j'avais à peu près 18% de retraités sur l'ensemble des personnes qui avaient répondu au sondage. Donc, je ne peux pas dire que ce soit 18% des personnes présentes à l'étranger, mais 18% des personnes qui ont répondu. Voilà, donc que m'ont dit ces gens? Alors, je vais commencer par... Attendez, je vais ouvrir une autre fenêtre pour avoir bien vos questions qui défilent en même temps et que je puisse y répondre. Vous n'hésitez pas au fur et à mesure, j'essaierai de répondre aux questions au fur et à mesure. Alors... Donc, effectivement, j'ai une personne qui s'appelle Sacha Noël qui me dit qu'il serait tout à fait normal, effectivement, que je m'intéresse au sujet politique et géopolitique. Merci, Sacha, de soutenir ce propos. Mais j'ai vraiment tenu à le préciser parce que, voilà, j'ai eu quelques échanges un petit peu vifs et d'ailleurs un peu agressifs sur les réseaux sociaux. Et vraiment, j'étais tout à fait désolée et je me suis dit que j'avais peut-être pas été suffisamment précise sur les fonctions et les missions d'un parlementaire. Alors, je vais donc passer à l'interrogation. J'allais dire l'interrogatoire, n'exagérons rien, à la rencontre que j'ai eue avec M. Laurent Gallet, qui dirige la Caisse des Français à l'étranger. Alors, pour bien repréciser, Caisse des Français à l'étranger, un opérateur d'État qui est un établissement public, mais chargé de mission, enfin, non, un établissement privé chargé de mission de service public, pardonnez-moi, que je ne me trompe pas. Donc, cet établissement est privé. Je tiens à préciser qu'il fonctionne uniquement par les cotisations de ses adhérents, qu'il n'y a aucune subvention d'État pour son fonctionnement, aucune, absolument aucune, et qu'il y existe une toute petite subvention qui s'élevait à 380 000 euros, qui est passée à 580 000 euros, qui est destinée uniquement à être une aide au paiement des cotisations des personnes en grande situation de détresse financière. Ce sont vraiment des personnes qui sont pratiquement à la rue. Donc c'est uniquement pour ça, et j'avoue que c'est l'une des premières choses qui n'a pas rapport avec cette mission, mais qui a rapport avec le rapport pour avis budgétaire que j'ai rendu 2 années de suite sur les 2/3 à peu près du budget des affaires étrangères, et dans l'un de ces 2 budgets dont je m'occupais, qui est celui précisément consacré aux Français à l'étranger, il y avait une petite ligne budgétaire qui s'élevait à 380 000 euros, qui a, comme toujours, un nom un peu barbare et qui n'est pas très lisible, qui s'appelait 3e catégorie aidée. Bon, c'est l'époque, ça date de l'époque où la Caisse des Français de l'étranger avait des tarifs par catégorie de revenus. Première catégorie les plus élevés, 2e catégorie intermédiaire, 3e catégorie les plus faibles. Et c'est dans cette 3e catégorie qu'on peut aider des personnes en grande situation de difficulté financière. Donc cette 3e catégorie avait une subvention de 380 000 euros annuels. Moi, j'avais noté que c'était à l'évidence insuffisant puisqu'elle était maintenue à 380 000 euros depuis des années et que mathématiquement, la population à l'étranger et des Français augmentant, bah, mathématiquement, il y avait forcément, hélas, des personnes aussi en grande difficulté financière qui allaient être plus nombreuses. Et donc, j'avais demandé une augmentation de la subvention à 750 000 euros, en gros un doublement. Ça n'a pas été le cas, mais elle a quand même été augmentée à 580 000 euros. Donc ça, je tiens à le saluer. Donc la CFE, pour y revenir, un organisme privé chargé d'une mission de service public puisqu'ils doivent appliquer le code de la sécurité sociale pour ses adhérents. L'adhésion à la CFE est une adhésion volontaire. On n'a aucune obligation de le faire et c'est bien normal, on ne peut pas la rendre obligatoire. Pourquoi ? Parce qu'il existe un certain nombre de pays, à commencer par l'Union européenne, ça ne nous concerne pas, mais nous, dans la 11e circonscription, je peux citer l'exemple de l'Australie. Dans ces pays-là, l'adhésion à l'assurance sociale du pays est obligatoire. Donc on ne peut pas imposer à un Français d'être affilié à la CFE, alors que par ailleurs, il est déjà affilié à un système local. Donc il s'agit bien d'un système de protection sociale volontaire, dans lequel on a les risques classiques séparés en 3. On a assurance maladie, on a accident de travail maladie professionnelle et la retraite. On n'a pas le chômage, ça, celui-là n'y est pas. On n'a pas non plus les allocations familiales. Ces 2 instruments sociaux sont réservés, sont soumis à une condition de résidence sur le territoire français. Donc, pour faire simple, la maladie d'un côté, les accidents de la vie et la retraite. Alors, donc un organisme privé qui fonctionne sur ses seuls fonds propres,
mais qui avaient un mode de fonctionnement qui n'avait pas bougé depuis des années et qui le rendait difficilement viable économiquement. Puisque les cotisations étaient liées aux revenus, ce qui fait que pour certains hauts revenus, les cotisations étaient excessivement chères et inaccessibles, avec en plus des pénalités à payer quand on décidait de rentrer dans le système avec retard. Cette caisse des Français à l'étranger avait donc besoin de se réformer. Il y avait donc un projet dans les tuyaux, mais malgré ce projet de réforme qui a été mis en œuvre, et ça n'a rien à voir avec ma mission, je viens à préciser tout de suite, que je sois très claire. Cela a été fait. Je vais chercher les feuilles sur. Alors, je voulais dire aussi que j'ai rencontré, j'ai oublié de vous dire également, le Centre des impôts des non-résidents. Donc, il y a trois sujets dont j'aurais besoin de vous parler. Alors, monsieur, où est-ce qu'il est, monsieur Gallet? Bon, je vais le retrouver. Alors, monsieur, où est la protection sociale? Ah, voilà. Voilà, c'était ici. Voilà, je l'ai ici. Alors, en plus de la réforme de la CFE qui a été mise en place par la CFE, dans le cadre d'une loi d'ailleurs qui a été votée il y a quelques mois à l'Assemblée, qui était à l'origine une loi proposée par les sénateurs et que j'ai portée ensuite à l'Assemblée, qui a été votée à l'unanimité des groupes politiques, je tiens à le préciser. Et d'ailleurs, justement, vous voyez, il y a un groupe politique à gauche qui avait décidé de voter contre la réforme de la CFE en disant que c'était pas bien, que c'était un organisme privé, que c'était encore une fois une assurance privée et qu'il fallait rendre obligatoire une assurance publique pour tous les Français à l'étranger. Et pendant la pause, pendant les débats, je suis allée le voir, je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Mais on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a des gens qui habitent dans un pays où la protection sociale est obligatoire. On ne peut pas leur imposer une double cotisation. C'est pas possible. C'est comme si un ressortissant qui vient s'établir en France et qui bénéficie de notre protection sociale, si son pays d'origine, l'Australie par exemple, lui imposait en plus de cotiser au système australien. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas le faire. Et ça serait beaucoup trop cher pour lui. Donc il a bien compris et du coup il a finalement voté le projet de réforme de la Caisse des Français à l'étranger. Alors la Caisse des Français à l'étranger, il y avait des petites choses qui devaient être précisées. Par exemple, je vais les reprendre dans l'ordre. Alors, donc bien préciser que les tarifs, il y aura des nouveaux tarifs qui vont être mis en place, qu'ils vont avoir une progression d'à peu près pour. Il y a soit un tarif qui. Le nouveau. Pardon, je vais. Excusez-moi, je ne suis pas claire. Le nouveau tarif de la nouvelle grille, ou bien il est inférieur à l'ancien tarif que payait un affilié actuel. Et je parle des gens qui sont déjà affiliés à la CFE. Pour tous les nouveaux affiliés, c'est facile, le nouveau tarif s'applique. Mais pour ceux qui sont actuellement à la Caisse des Français à l'étranger, pour ceux-là, si le nouveau tarif est inférieur à celui qu'ils payaient jusqu'à présent, le nouveau tarif plus bas leur est appliqué tout de suite. Pour tous ceux pour qui le nouveau tarif serait supérieur à celui qu'ils payaient jusqu'à présent, le nouveau tarif ne s'appliquera pas directement, il sera progressivement appliqué avec une incrémentation de 5% par an jusqu'à atteindre le nouveau tarif de la nouvelle grille. Il n'y aura pas d'élévation brutale du tarif. Deuxième réforme, le tarif d'une façon générale va prendre en compte une forme de fidélité, c'est-à-dire que plus on est affilié depuis longtemps, on aura, comme pour les assurances voitures, une décroissance de la cotisation qui s'appliquera jusqu'à l'âge de 60 ans. Et à partir de l'âge de 60 ans, il n'y a plus de décrémentation. Tout ça s'explique, on rentre dans un système, on parle ici d'un système assurantiel, et il faut bien comprendre qu'en gros, de l'âge, tous les assureurs le savent, de 15 à 55 ans, on a très très peu de frais maladie. Et à partir de l'âge de 55 ans, ça croît, hélas, c'est la vie qui est ainsi faite, de façon exponentielle. Donc il n'est pas absurde que la cotisation prenne ceci en compte. Une question qui m'a été posée, qui est extrêmement importante, c'est la base de remboursement des frais médicaux. Donc, la CFE va essayer de mettre en place un système de tiers payant qui permettra aux affiliés de ne plus avoir à faire l'avance des frais. Ça sous-entend une négociation avec des établissements médicaux, cliniques, consultations médicales, hôpitaux. Et on a d'autant plus intérêt à aller vers ce genre d'acteurs, de contrats, pardon, que vous avez peut-être vous-même constaté. Lorsque vous arrivez dans un hôpital à l'étranger pour demander des soins, première chose qu'on vous demande, c'est si vous avez une assurance. Et comme par hasard, le devis augmente. J'ai un Français en Thaïlande qui m'avait raconté cette histoire,
qui était que pour un de ses enfants, il y avait une intervention chirurgicale à prévoir. Il a dit qu'il n'avait pas d'assurance privée et il s'est aperçu qu'on lui avait fait un devis beaucoup moins cher. Donc maintenant, il a pris le parti. À chaque fois qu'il va à l'hôpital, systématiquement, il dit qu'il n'a pas d'assurance. Alors évidemment, ça l'oblige à avancer les frais. Donc il faut aussi le pouvoir. Mais on voit bien là que la CFE, comme toutes les assurances d'ailleurs, essaye de le faire, en négociant par avance des contrats avec des acteurs médicaux, on fait beaucoup, beaucoup baisser les frais, les coûts et donc derrière les cotisations qu'on a à verser. Donc, dans cette question de la base de remboursement, pour s'il s'agit de la Thaïlande, c'est 80% des frais réels. Ailleurs en Asie du Sud-Est, c'est 100% des frais réels, uniquement dans les établissements qui ont signé un contrat. Donc, petit à petit, il y avait historiquement, la base de remboursement était fixée sur qu'est-ce qu'on appelait la base de remboursement. C'était le prix de journée ou le prix de l'acte défini par l'assistance publique hôpitaux de Paris. Mais ceci n'a plus lieu d'être et très décalé par rapport à la réalité. Et la CFE va petit à petit basculer vers un taux par acte et par zone géographique. Donc, dans une zone géographique, une échographie abdominale coûtera tant. Et c'est sur cette base qu'on sera remboursé 80% en Thaïlande, 100% dans le reste de l'Asie du Sud-Est. Et ce système se généralisera. L'objectif, c'est de le faire un système équivalent dans le monde entier. Donc, ça sera opérationnel à partir de septembre 2019, cette tarification, avec un coût à l'acte et non plus basé sur l'assistance publique hôpitaux de Paris. Alors, dans ma recommandation numéro 81, j'avais la question de l'assurance volontaire vieillesse. Est-il possible, vous savez que quand une personne est envoyée à l'étranger et qu'elle a le soutien de son entreprise, l'entreprise peut, soit dans un système local dans le pays de travail, soit via la CFE, proposer une aide à la prise en charge de la cotisation retraite pour préparer sa retraite. Mais il y a des cas, par exemple les indépendants, on n'a pas le soutien d'une entreprise ou tout simplement des personnes qui sont envoyées en contrat local où le système retraite n'est pas du tout correct. Et ça serait pas mal d'avoir accès au système de l'assurance vieillesse volontaire, même quand on est salarié. Et c'était souvent extrêmement cher. Donc, s'agissant des indépendants, l'assurance volontaire vieillesse du ce qu'on appelait autrefois, encore jusqu'à l'année dernière, le régime social des indépendants, le RSI, est accessible même quand on n'est pas sur le territoire français. Elles seront gérées, ces cotisations des travailleurs indépendants, pour ceux qui sont à l'étranger, elles deviendront à partir de janvier 2020 gérées par la Caisse des Français de l'étranger directement et non pas par le régime, le RSI en France, puisque le RSI disparaît, il est intégré dans le régime général. Et du coup, comme la CFE est chargée d'une mission de service public, pour ceux qui résident à l'étranger, c'est la CFE qui récupérera la gestion de l'assurance volontaire vieillesse des indépendants. Alors, ensuite, que m'a dit Monsieur Gallet? Alors, la cotisation est effectivement élevée pour les indépendants, puisqu'ils doivent payer les deux parts patronales et salariales. Donc, pour eux, ça fait une cotisation très élevée. Mais ils vont essayer de proposer ce que va faire la Caisse des Français à l'étranger, ça j'en suis très contente, j'ai beaucoup poussé à ça, c'est d'essayer de proposer une cotisation qui soit minimum, c'est-à-dire qui puisse assurer au bout du compte une pension minimum. En gros, que l'indépendant puisse mettre, qu'il ne soit pas donc basé sur son revenu ou sur une cotisation très élevée dans laquelle il a la part patronale et la part salariale, l'équivalent de la part patronale et la part salariale. L'idée, c'est qu'on lui propose en gros plusieurs formules et qu'il puisse avoir le choix, ou bien la cotisation classique relativement élevée, c'est ce que je disais, même très élevée parfois, ou bien une cotisation minimum de base qui lui garantirait au bout du compte une pension de retraite qui soit supérieure ou égale au minimum vieillesse qui est payé en France, qui aujourd'hui est qui sera alors en octobre prochain de 900 euros par mois. Donc ça serait une formule intéressante et qu'il ait la liberté ensuite d'ajuster, de pouvoir augmenter ses cotisations pour pouvoir se garantir une retraite supérieure. Mais aujourd'hui, on est dans un système qui est tellement cher qu'il y a des gens qui ne font rien et du coup qui se retrouvent avec rien au moment de la retraite. Donc il serait mieux de pouvoir faire un petit quelque chose quand même, pour avoir quelque chose qui soit au-dessus du minimum vieillesse, garantir un minimum de revenus et garantir aussi la souplesse de pouvoir augmenter ses cotisations à un moment ou à un autre. Ceci me permet aussi de faire un petit aparté. Je suis ambassadeur à la réforme du système de retraite et je suis très vigilante à la question des personnes qui,
ont une interruption de carrière parce qu'elles sont parties à l'étranger, ce qui est peut-être votre cas, sont à l'étranger et cotisent dans le système actuel en France, ou, là on n'en a pas forcément dans notre visio aujourd'hui, mais sont actuellement en France et projettent de partir à l'étranger. Donc je suis très vigilante, j'ai eu des réunions spécifiques pour essayer d'identifier quels sont les points particuliers de vigilance qu'il faut avoir dans cette bascule vers un nouveau système de retraite par points et non plus par semestre. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir par rapport à nous qui sommes à l'étranger? Donc il faut juste savoir, juste la chose qui est intéressante, c'est que dans le système à points qu'on va mettre en place, l'interruption de carrière n'aura plus d'importance. On n'aura plus du tout besoin d'un nombre de semestres travaillés, ça sera uniquement lié à la cotisation versée. D'où l'importance pour les indépendants de leur donner accès à une assurance volontaire vieillesse moins chère que ce que leur revenu pourrait prétendre exiger, mais pour qu'ils aient déjà des points accumulés avec des cotisations versées, même si c'est peut-être moins que ce que leur revenu pourrait, en toute théorie, justifier dans le système actuel. Donc ce système de points va nous être, nous à l'étranger, très favorable. On sort du système de semestre travaillé parce que, par exemple, pour moi qui suis à Singapour, pas de convention retraite entre la France et Singapour. Ça veut dire que toutes les années que j'ai travaillé à Singapour, j'en suis à un paquet d'années maintenant, aucune n'aurait compté dans un système de comptage par semestre travaillé. Alors que ceux qui habitent aux États-Unis, avec lesquels il y a une convention de coordination entre la France et les États-Unis, tous les semestres travaillés aux États-Unis, même sans cotisation dans le système de retraite français, le simple fait d'avoir travaillé aux États-Unis permettait de prendre en compte ces trimestres travaillés aux États-Unis. Donc, plus besoin de ça, maintenant avec le nouveau système de retraite, on passe à un système à points, 1 euro cotisé égale 1 point. Du coup, les interruptions de carrière quoi, pour nous qui sommes à l'étranger ne seront plus pénalisantes pour la prise en compte du calcul de la retraite et de la liquidation de la retraite. Alors, j'ai vu des questions passer, donc je vais essayer de les reprendre. Alors, donc le vote électronique, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, je ne peux pas. J'essaie de voir. Quelqu'un me dit qu'on voit mon image de travers. Alors attendez, là il y a un petit souci là. Vous me voyez de travers. Depuis le début, ça fait presque une demi-heure que je suis avec vous. Je suis très inquiète là. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Envoyez-moi un petit message. Est-ce que vous me voyez de travers ou pas? C'est très ennuyeux parce que je sais que pendant la visio, je ne peux pas tourner le téléphone. Il ne prendra pas en compte. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'espère que... Alors... Bon, oui, mais ce n'est pas grave, dit Corinne. Bon, alors, on va essayer de continuer comme ça. Je suis vraiment désolée de ce petit problème technique. Alors, ensuite, j'avais en recommandation numéro 89, j'avais la question d'une double cotisation pour s'agissait des retraités qui cotisaient à la fois en cotisation maladie, une cotisation qu'on appelle COTAM, et une cotisation à la CFE. Mais ce n'était pas pour la même couverture. Eh bien, cette double cotisation va être effectivement totalement supprimée sur toutes les pensions de retraite françaises à partir du moment... Alors, il y a une question qui m'a été posée. À partir de 15 ans de cotisation, sauf pour les pays de l'Union européenne et du Maghreb. Alors, pourquoi faut-il un minimum de 15 ans de cotisation en France avant de pouvoir bénéficier de la protection qu'a donne droit la cotisation maladie? Alors, ça ne vous concerne pas tous, pour être précis. Les personnes qui touchent une pension de retraite en France voient sur cette pension de retraite un seul prélèvement qui est la COTAM, et ils avaient aussi un prélèvement Caisse des Français à l'étranger. C'est fini, il n'y aura plus qu'un seul prélèvement COTAM et pas de prélèvement CFE automatique. C'était pour certaines caisses de retraite d'ailleurs qui avaient ce prélèvement, du coup ce double prélèvement. Ça ne concernait que quelques retraités. Aujourd'hui, il n'y aura plus que la COTAM, mais la COTAM, cotisation d'assurance maladie, donne droit pour nos retraités à des soins programmés ou inopinés en France pour des séjours de moins de 3 mois. Maintenant, il y a une petite modification, c'est qu'aujourd'hui, il faudra, pour avoir accès à ces soins avec la COTAM, qu'il y ait 15 ans minimum de cotisation en France au préalable. Pourquoi ces 15 années de cotisation? Simplement, c'est pourquoi 15 ans? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 20? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 5? C'est simplement qu'il a été fait une étude
et qu'on voit que la durée moyenne de cotisation des retraités, avant qu'ils prennent leur retraite, leur durée moyenne de cotisation en France est de l'ordre de 12 ans. Donc en prenant un seuil minimum de 15 ans, on couvre une très très large majorité. Et les personnes qui auraient moins de 15 ans de cotisation et qui ne pourraient plus bénéficier de ces soins en France inopinés ou programmés alors qu'ils payent cette quota, ça concerne moins de 200 personnes dans le monde. Voilà, donc je voulais juste être, ils sont peut-être tous regroupés, mais ça concerne assez peu de personnes. On en est désolé, mais il faut comprendre qu'il y avait un problème d'équilibre financier du système et qu'il y avait des personnes qui, parce qu'elles avaient cotisé trop peu longtemps, avaient une toute petite cotisation, leur part quotam est extrêmement faible et engageaient parfois des soins extrêmement coûteux et copieux. Elles avaient droit à tout, hein, comme tout le monde. Donc voilà, ça permet de remettre un peu d'équilibre. Il faut aussi comprendre que avant 2015, avant que soit mis en place en France ce qu'on appelle la protection universelle maladie, les personnes, seules les personnes de nationalité française avaient droit à cette prise en charge en France pour des soins inopinés ou programmés, peu importe la durée de cotisation, mais les personnes étrangères n'y avaient pas droit. Il y avait une distinction selon la nationalité. Et avec la protection universelle maladie, cette distinction de nationalité a disparu. Donc d'un seul coup, le système a absorbé un grand nombre de personnes de nationalité étrangère, dont certaines avaient travaillé peu d'années en France. Et du coup, on s'est retrouvé avec des situations où certain nombre de personnes, françaises ou étrangères, mais il se trouve qu'il y a pas mal d'étrangères, cotisaient très très peu pour des soins extrêmement lourds. Et il a bien fallu, on est quand même face à des enjeux financiers. Il y a un moment, je vous ai dit, la CFE est une. C'est pas la CFE, pardonnez-moi. Notre assurance maladie a besoin aussi d'un certain équilibre, d'une certaine justice. Hors de question, il n'était pas possible juridiquement de revenir sur une distinction de nationalité, et c'est bien heureux. Pour ceux des ressortissants étrangers qui ont travaillé fort longtemps en France, il est bien normal de pouvoir leur assurer la continuité des soins et de la protection sociale une fois qu'ils sont en retraite. Ils nous ont beaucoup donné, on leur rend beaucoup. Mais voilà, il fallait trouver un équilibre. Et le point d'équilibre a été établi à 15 années de cotisation en France. Voilà. Par ailleurs, par rapport à ces années de cotisation en France, je voulais souligner, s'agissant de la CFE, c'était une de mes recommandations, je voulais qu'on étudie aussi le cas de plus en plus fréquent des personnes qui sont à l'étranger, qui n'ont jamais cotisé en France parce que peut-être qu'ils sont nés à l'étranger, ou bien, je parle de français là, ou bien parce que ils ont démarré leur carrière à l'étranger sans avoir jamais travaillé en France. Et on en a beaucoup. Des jeunes qui sont partis en fin d'études, puis en VIE, puis qui enchaînent leur carrière, puis qui rencontrent un conjoint et qui se retrouvent à ne jamais avoir travaillé en France et avoir cotisé en France. Ceux-là n'avaient pas accès à la Caisse des Français à l'étranger. Et là, je pousse dans l'une de mes recommandations pour qu'il soit envisagé, et ce n'est pas encore possible, on y réfléchit, on est en train d'essayer de trouver un véhicule juridique pour que ce soit possible, de voir comment on peut permettre à ces Français-là d'intégrer notre système Caisse des Français à l'étranger, donc notre système de protection sociale, car après tout, il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on est français, on a un outil magnifique qui s'appelle le passeport, qui nous permet à tout moment de notre vie de rentrer en France, et que ça, c'est une bonne chance, une bonne chose, et qu'il faut se poser la question de leur donner accès à notre système de protection sociale plutôt que de revenir comme un étranger en France. C'est déjà pas facile de rentrer en France ou d'y débarquer, autant faciliter les choses à travers la possibilité d'adhérer au système, même quand on n'a jamais encore résidé en France. Et puis, ça permettra aussi, alors là, je crois que c'était l'une des recommandations, c'est mis en œuvre, aux conjoints. Si vous êtes français, que votre conjoint est d'une autre nationalité, aujourd'hui, il ne pouvait pas réintégrer la Caisse des Français à l'étranger parce qu'il n'y avait jamais cotisé. Évidemment, il avait probablement jamais travaillé en France. Donc là aussi, il y a une réflexion qui est menée. La CFE va le permettre à partir du moment où on est le conjoint d'un affilié à la CFE, même si on a une nationalité tierce, c'est déjà le cas en Europe, on pourra adhérer à la CFE. C'était même une obligation de l'Europe qui l'avait rendue obligatoire, qui avait dit que ça n'est pas en respect des traités européens que d'interdire une nationalité européenne de ne pas d'adhérer à la CFE. Alors, ensuite, j'avais quoi comme question, recommandation? Alors, la 115. La 115, apparemment, elle n'est pas résolue, la 115. Voilà, là, c'était s'agissant des personnes en grande difficulté financière. J'essaye de savoir, je voulais qu'on arrive à trouver des chiffres sur le nombre de personnes qui ne rentrent pas dans le système de la
de l'aide à la cotisation CFE parce qu'elles ne se font pas connaître ou parce qu'elles n'osent pas, parce que, ouais, je voudrais savoir exactement combien de personnes ça représente qui n'ont pas réussi à entrer dans le système. Et ça, c'est avec nos postes diplomatiques qu'on réussit à le savoir. Donc, il faut que je demande au Quai d'Orsay, la direction des Français à l'étranger. Ensuite, j'avais la recommandation numéro 118. Alors, la 118, que disait-elle? Voilà, c'était rendre l'assurance volontaire vieillesse accessible aux expatriés de longue date en prenant en compte la durée, en prenant en compte la durée de leur cotisation, de leur adhésion à la Caisse des Français à l'étranger, dans le calcul des années de cotisation. Voilà. Et ça, cette assurance vieillesse accessible aux expatriés de longue date, pour le moment, c'est un refus du cabinet de la ministre de la Santé, mais qui est en charge des retraites. Mais je vais pousser et je vais continuer à essayer de voir pourquoi ça n'est pas mis en œuvre. J'avais également demandé dans la recommandation numéro 117 qu'au moment où on délivre un passeport, on insiste sur l'importance de souscrire à une assurance complémentaire santé quand on va à l'étranger. Et ça, je verrai avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment on peut mettre cette recommandation en œuvre. Ensuite, j'avais la recommandation 119. Il faut que j'avance parce que j'ai plein de choses à vous dire après. Pour les revenus modestes, j'en ai parlé. Ensuite, il y avait. Ça, c'est fait la 120. Voilà. La recommandation numéro 120 demandait de supprimer le délai maximum de 10 ans après le départ de France pour adhérer à l'assurance volontaire vieillesse. Aujourd'hui, il faut, si on est parti depuis plus de 10 ans en France et qu'on n'a encore jamais souscrit à l'assurance volontaire vieillesse, eh bien, on ne peut plus le faire. C'est fini, on a passé 10 ans, on n'a plus le droit de le faire. Eh bien, ceci, ça va être supprimé prochainement dans les décrets d'application de la réforme de la Caisse des Français à l'étranger. Alors, également, l'aide à une recommandation 122 qu'on puisse mettre en place par la CFE, une aide au paiement d'une complémentaire santé pour ceux qui ont des revenus les plus modestes. Et la recommandation 122, c'est seulement à l'état de réflexion pour le moment. Voilà, alors ça, j'ai fait le tour des progrès qui seront faits pour la CFE. Je vais passer maintenant au cas de la retraite. Alors, la retraite, pour vous dire qu'il y a des choses, qu'on soit clair, qui étaient demandées depuis extrêmement longtemps par de nombreux parlementaires, par vous-même qui êtes retraité à l'étranger. Je vais passer un petit peu de temps, mais pas tout le temps, parce que je vais absolument vous parler de la fiscalité également. Alors, juste pour dire qu'effectivement, pour les retraités, il va y avoir maintenant, d'ailleurs, c'est pour tout le monde, hein, le système info-retraite. Je vous invite d'ailleurs tous qui êtes à l'étranger, si vous avez une partie de votre parcours qui est fait en France, allez sur le site info-retraite dès maintenant, créez votre espace personnel à vous qui vous permettrait d'avoir un espace sécurisé dans lequel vous échangerez de manière sécurisée avec votre caisse de retraite. Ça, dès maintenant, vous pouvez le faire et je vous encourage à le faire. Pourquoi? Parce que si vous êtes retraité ou allez l'être prochainement, c'est dans cet espace sécurisé que vous allez pouvoir échanger avec vos caisses de retraite, toutes les caisses de retraite, si vous en avez plusieurs, pour ce qu'on appelle les certificats de vie ou les certificats d'existence, et pouvoir les échanger de façon dématérialisée. Évidemment, certains soulignent, me l'ont souligné sur les réseaux sociaux, reste le problème de la signature, de compléter ce document qui reste pour le moment dans beaucoup de pays, je pense au Japon, notamment, je crois, la Thaïlande aussi, où les autorités locales, parce qu'elles ne lisent pas le français, ne peuvent pas compléter ce document et du coup, il faut aller au consulat pour le faire, ce qui veut dire parfois des frais en plus, aller trouver les bonnes horaires d'ouverture et puis se déplacer des kilomètres en plus. Voilà, ça restera encore pour le moment. J'ai également demandé à avoir une traduction. Pour le moment, la traduction de ce certificat est faite en 6 langues. J'ai insisté sur le fait que on peut le faire une fois pour toutes la traduction. Donc voilà, ça sera mon rôle, vous voyez, de revenir tout le temps à la charge, de dire, avez-vous fait la traduction en japonais? Avez-vous fait la traduction en russe? Avez-vous fait la traduction en grec? Voilà, pour m'assurer qu'on va vraiment avoir une véritable aide. Donc ça, c'était la partie la plus importante que je voulais vous signaler. Par ailleurs, je voulais vous dire que le centre Info Retraite, donc le GIP Union Retraite, a mis en place une modification énorme de son outil informatique. Alors ça, c'est une modification que nous ne voyons pas comme usagers. C'est totalement transparent pour nous.
Mais en discutant avec eux, c'était vraiment un outil extrêmement complexe qui a été mis en place et qui va simplifier pour eux la relation, la prise en compte des demandes et notamment le système de liquidation de retraite. La liquidation de retraite était très compliquée et maintenant ce sera beaucoup plus facile pour eux. Alors c'est transparent pour nous, mais pour eux c'est un énorme changement. Je voulais vous dire aussi il y a eu a priori une campagne d'email en octobre dernier. Il y a eu 15 millions de mailings qui ont été envoyés sur différentes tranches d'âge pour inciter à créer son espace sur le site Info Retraite. Voilà, je ne sais pas si vous-même à l'étranger avez été sollicité par ça, mais avez reçu un email. Mais c'est le problème, je leur ai souligné de la campagne email. C'est bien les emails, sauf que combien d'entre vous ont été amenés à changer d'email? Combien d'entre vous ont eu l'as sur leur boîte email piratée et ont changé leur email? Et à ce moment-là, quand on est obligé de changer son email, il faut penser à toutes les personnes qu'on doit informer du changement d'email. Ben, quand on a 40 ans, on ne pense pas forcément que le site Info Retraite a besoin d'être au courant. Donc ça, c'est un vrai souci. Il faut vraiment voilà, les alerter sur le fait que l'email, c'est bien, et c'est là que l'espace sécurisé résout le problème. Puisque par l'espace sécurisé, le problème de l'email ne se pose plus, c'est nous qui allons sur notre espace sécurisé. En revanche, si le site Info Retraite veut nous envoyer une information disant « Oh là, on vous a mis une information dans votre espace sécurisé », ben ça se fait par email cette information. Et on retombe sur le problème « Que se passe-t-il si j'ai changé d'email ?» Donc voilà, le changement d'email, ça permet de soulever le sujet. Voilà, quand vous avez un problème de piratage et que vous changez d'email, pensez à tout. Alors, on pense aux amis, on pense à la famille, on pense aux relations professionnelles. Mais très vite, il y a d'autres structures auxquelles on pense moins. La retraite, c'est pas forcément quand on est encore en activité, ce à quoi on pense tous les jours. Mais voilà, il faut penser à prévenir vraiment tout le monde. Voilà ce que je voulais vous dire pour les retraites. Alors, s'agissant du Centre des impôts des non-résidents, je suis allée leur rendre visite il y a une semaine. J'ai donc vu sa directrice et il y a certaines demandes fiscales que j'ai faites qui sont de son ressort, mais le Centre des impôts des non-résidents, il a uniquement pour calculer l'impôt et le collecter. Ils ne sont pas là pour définir l'impôt, pour choisir un barème ou pour choisir des conditions de collection, des taux de collection, etc. Donc eux, ils sont juste les acteurs du calcul et du recouvrement de l'impôt. Mais c'est important. La première chose, pourquoi je suis allée dans leur centre? C'est d'ailleurs pour assister, ce jour-là, quand j'y étais, j'ai assisté à l'inauguration de leurs nouveaux outils d'accueil du public. Alors, l'accueil du public à la DINR, ce sont, j'ai pas mon petit carnet, ce sont des milliers d'emails reçus tous les jours, des quantités considérables d'appels téléphoniques et des visites. Il y a aussi des gens qui profitent de leur passage à Paris pour aller à Noisy-le-Grand et les rencontrer. Ils sont parfaitement conscients des difficultés énormes que nous avons tous à les joindre, et c'est bien pour ça qu'ils ont essayé de mettre en place des nouveaux outils. Là, le ministère des Finances leur a accordé des personnels supplémentaires, donc ils ont déjà un petit peu de moyens supplémentaires. Mais ça n'est pas tout. Il y a vraiment un gros progrès qui est fait, et j'ai pu voir en direct comment les agents répondent aux questions. C'est spectaculaire le travail que ça leur demande, la multiplicité des sujets. On va pouvoir les appeler pour un sujet de prélèvement social, pour un sujet d'impôt sur le revenu, pour un sujet de prélèvement à la source, pour un sujet de succession, pour un sujet de TVA en entreprise. Les sujets sont infiniment variés. Il faut que ces agents soient compétents sur tout. Parce que l'agent qui reçoit au téléphone, il n'est pas là pour dire « Ah oui, je note votre question, je vous passe à mon collègue, puis on vous met en attente pendant une demi-heure sur une ligne. » C'est pas ça du tout. Il y a aussi un système qui a été mis en place qui permet par Internet de prendre rendez-vous. Donc vous demandez un rendez-vous exactement comme pour prendre rendez-vous pour faire faire un passeport au consulat. Il y a des plages de rendez-vous et d'horaires qui s'affichent. Alors évidemment, pour le moment, ce sont des créneaux horaires français, c'est vrai. Mais enfin, ça laisse quand même pas mal de choix. Et le centre des impôts vous rappellera directement. Donc ce sont des frais supplémentaires pris en charge par l'État. Et là, j'ai assisté en direct à ces reprises de contact par téléphone. Et l'agent au téléphone passera le temps qu'il faut. Ça peut être 5 minutes, 20 minutes, 30 minutes, le temps qu'il faudra pour répondre à la question qui leur sera portée. Donc vraiment un accueil qui est considérablement amélioré. Alors, que je vois un petit peu si j'ai entendu les questions. Alors.
Alors, une question. J'ai pas compris la question. Alors, Jean-Louis Guénard, d'accord, la police le fait moyennant en finance. Bon, d'accord. Le formulaire de retraite, demande Pierre Ornicard, envoyé par les caisses de retraite, là je reviens avant la fiscalité, j'ai pardonnez-moi, je n'avais pas vu les questions passer. N'est-il pas multilingue? Oui, il est en. Il va être, alors, il existe 6 langues de traduction pour ce formulaire. Et on envoie dans le pays dans lequel vous êtes celui qui est traduit dans la langue la plus adaptée au pays où vous êtes. Donc ça peut être, évidemment, si on est en Amérique latine ou en Espagne, ça sera plutôt l'espagnol, même s'il y a aussi du portugais. Je ne me rappelle plus des 6 langues. Je ne les ai plus en tête. Mais au moins l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ça c'est sûr. Et les 3 autres, je ne me rappelle plus. Donc en tout cas, il n'y a pas directement les 6 langues sur le même formulaire, mais c'est un formulaire avec le français et une autre langue. Donc l'idée, c'est de faire une autre langue adaptée au pays où vous résidez. Ensuite, Franck Scola qui demande une question sur la couverture santé portée sur l'approche médicale des risques, des comportements de recours aux soins, des besoins médicaux. Ce serait bien d'y revenir à l'occasion, cher François, car seuls les aspects économiques, administratifs et pratiques ont été abordés aujourd'hui. Oui, alors, je vois ce que vous voulez dire. C'est un petit peu comme on fait en France, où on essaye d'avoir une prise en charge globale d'une pathologie, d'un contexte de pathologie. Plutôt qu'une approche administrative et comptable. Alors, ça, je n'ai pas abordé ce sujet avec la Caisse des Français à l'étranger. En tout cas, je sais que la Caisse des Français à l'étranger, dans son offre, va aussi mettre en place la téléconsultation. Mais je mets tout de suite en garde, la téléconsultation, ils le savent, pose la question de la téléprescription. La faire, évidemment, c'est toujours possible, mais que ce document de téléprescription soit utilisable dans le pays d'accueil, ben non, il y a un problème de compatibilité. Le pays d'accueil ne sait pas forcément qui est ce médecin qui a écrit la prescription. Donc, est-ce qu'un jour ça se fera dans le cadre d'accords entre la Caisse des Français à l'étranger et des hôpitaux ou des cliniques ou des cabinets médicaux? Peut-être, ça sera une étape supplémentaire, on n'en est pas là. En tout cas, la prise en compte par parcours de soins. On n'en est pas encore là pour la Caisse des Français à l'étranger, à ma connaissance. Alors, ensuite, je reviens maintenant à la fiscalité. Alors, les questions que j'avais posées à la fiscalité. Ah, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je suis sur la mauvaise page. Voilà, il y a énormément de questions. Alors, une chose qui est très importante, s'agissant de la fiscalité, cette année, je parle des revenus 2019, on est dans une procédure un peu complexe où certains revenus qu'on touche par des revenus qu'on a en France. Je ne parle pas des revenus que vous avez dans votre pays, évidemment. Les revenus qu'on a en France sont prélevés à la source, que ce soit les pensions de retraite ou les revenus d'activité. Et puis d'autres revenus peuvent l'être aussi. Par exemple, si vous avez des revenus locatifs et qui étaient déjà existants, qui continuent encore cette année en 2019, ils seront prélevés à la source. Si c'est courant 2019 que vous mettez un bien en location, c'est à vous de prévenir le centre des impôts des non-résidents pour leur indiquer que vous avez ce nouveau revenu et qui fera un ajustement de votre prélèvement à la source. Et si vous ne le faites pas, comme de toute façon il y aura en avril 2020 une déclaration de revenus 2019 pour voir si les prélèvements qui ont été effectués sont à ajuster ou pas et s'il y a un trop perçu à vous rembourser ou un pas assez perçu et donc quelque chose que vous auriez à devoir, ça sera pour avril 2020 sur vos revenus 2019. Donc avec la mise en œuvre, alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a aussi la retenue à la source spécifique. Tout ça est d'une complexité. Je regrette de ne pas avoir réussi à le simplifier. Sachez que là, dans les toutes prochaines semaines, on est avril, ça va être la semaine prochaine, je crois, j'ai préparé une plaquette qui explique la fiscalité. Je voudrais féliciter mes collaborateurs qui ont fait un super boulot. Elle est vraiment très bien, cette plaquette. Et on vous l'enverra par la newsletter que je vous enverrai, je crois, la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin incessamment, et vous aurez toutes les explications avec en plus des exemples concrets d'une personne ou d'un couple qui a tant de revenus en France, tant de revenus à l'étranger, est-ce que c'est des revenus de retraite, d'activité, de loyer, enfin, vous aurez tous les exemples possibles,
tous les détails et tout le calcul précis des taux pour que, enfin, quand on vous prélève quelque chose sur votre revenu ou quand on vous envoie un avis d'imposition, qu'enfin ce soit lisible. Parce que je pense que pour vous, c'est comme pour moi, franchement, c'est pas lisible. À partir de 2020, j'ai prévu pour la loi de finances rectificative qu'on va voter là en juin prochain, de négocier avec, c'est pas le centre des impôts, mais c'est la direction de la législation fiscale à Bercy, un petit toilettage. C'est d'une complexité, c'est vraiment un petit problème juridique qui a l'air de rien avec une phrase alambiquée comme seuls les juristes savent en faire, qui permettra qu'à partir de 2020, les revenus de 2020, on n'ait plus de notion de retenue à la source, qu'on ne mélange plus la retenue et les prélèvements, qu'on n'ait plus que du prélèvement à la source. Et je continue à pousser. Donc ça, je le fais, ce n'est pas avec le Centre des impôts des non-résidents, mais c'est l'un de mes prochains rendez-vous avec cette fameuse DLF, la possibilité que d'autres charges puissent être déduites des revenus d'activité. À partir du moment où on converge les barèmes, et ça sera, en 2019, c'est une espèce d'année bata entre les deux, où on a, vous l'avez vu, un taux d'imposition sur les revenus, un taux minimum qui, en dessous de 27 000 euros, est de 20%, sauf si vous avez beaucoup moins. Je vous rappelle, c'est bientôt la déclaration de revenus. N'oubliez pas de cocher la case 8TM sur votre déclaration de revenus pour bénéficier tout de suite d'un taux moyen beaucoup plus bas que les 20% si vos revenus le justifient. Et puis au-dessus de 27 000 euros, quand on a plus de 27 000 euros de revenus en France, on ne tient pas compte des revenus à l'étranger, pour ceux qui sont en France, au-dessus de 27 000 euros, c'est un taux de 30%. Tout ça, c'est fini à partir de 2020. C'est fini. On passe uniquement au barème français, donc qui aujourd'hui est 41-45. On passe à ce barème, sachant qu'il n'y a jamais personne à 45 puisque c'est progressif. Une première tranche est imposée à 0, une deuxième sur vos revenus est imposée à 14, la troisième est imposée à 33, la quatrième à 41 et éventuellement la cinquième à 45. Donc 2020, on sort de cette histoire de seuil minimum 20-30 selon les revenus. C'est fini tout ce bazar, on passe à un barème simple qui est le barème français. Mais, je veux absolument qu'on allonge la liste des charges déductibles possibles. Et ça, je continuerai à le porter. Alors, quoi d'autre encore? Il y a plein de choses. Alors, ah ben voilà, la question qui m'est posée, effectivement, les dépenses d'entretien ou d'investissement pour la résidence secondaire en France. Mais bien sûr que ça fait partie, je l'ai dit dans mon rapport, et je reviendrai à la charge pour ça, parce que si on veut être logique et qu'on veut accompagner la transition écologique et qu'on veut isoler notre logement, on a tout intérêt à le faire. D'abord, on fait travailler des entreprises pour le faire. Ensuite, on aura une facture énergétique inférieure et donc une empreinte carbone moindre. Donc, on a tout intérêt à ce que les résidences secondaires, peu importe où habite celui qui en est propriétaire, bénéficient de cette déduction de charges. Donc ça, je continue à le porter. Vous comptez sur moi, mais ça, c'est un rendez-vous avec la direction de la législation fiscale, la DLF. Je n'ai pas encore eu ce rendez-vous. Il va être intéressant, ce rendez-vous, croyez-moi. Alors, quoi d'autre dans les impôts? Donc ça, c'était déduction de charges ciblées. Ensuite, donc là, j'avais tout un tas de recommandations par rapport aux charges. Mais évidemment, pour le moment, c'est point mort parce que je n'ai pas vu les gens. Et tant que je n'irai pas les voir, il ne se passera rien. Il faut être très clair. J'aurai absolument rien si je ne vais pas les voir. Ensuite, dans les recommandations, j'avais... Donc ça, c'est un petit toilettage, j'en ai parlé. La modification aussi, j'avais beaucoup de recommandations sur l'amélioration du site internet et donc on m'a indiqué les personnes à qui je dois m'adresser, que je n'avais pas auditionné au cours de ma mission et qu'il faut absolument que je rencontre auprès du cabinet de la direction des finances publiques pour pouvoir avoir accès à ça, avoir un site internet plus accessible en langage naturel, ça j'y tiens beaucoup. Ça c'est fait, le numéro aussi, il y avait pour contacter la direction des impôts des non-résidents, la DINR, le numéro de téléphone était un numéro surtaxé, vous avez dû constater que c'est fini, il n'y a plus de numéro surtaxé. Ensuite, il y avait un certain nombre, alors j'ai insisté aussi sur les sources de diffusion de l'information. Quand le centre des impôts a besoin de nous informer de quelque chose, pour le moment, il l'envoie à qui disent-ils? Il l'envoie aux parlementaires, au Quai d'Orsay, à l'Assemblée des Français à l'étranger. Donc c'est bien, mais moi je voudrais m'assurer que... Alors il faut que nous, parlementaires, on vous envoie l'info. Bon, moi en général je le fais, mais je le rappellerai à mes collègues, qui sans doute le font pour la plupart d'entre eux, mais c'est bien de faire une piqûre de rappel.
Le Quai d'Orsay, ben, j'espère que l'information elle passe aussi auprès des consulats. Et puis l'Assemblée des Français à l'étranger, eh bien, j'espère qu'il est composé de 90 membres, conseillers AFE. Eh bien, j'aimerais m'assurer que ça reste pas seulement au niveau de leurs 90 membres, mais que ça passe aussi aux 440 conseillers consulaires qui sont sur le terrain, dont beaucoup ne sont pas à l'AFE, puisqu'il n'y en a que 90 d'entre eux qui sont à l'AFE. Donc ça, je le vérifierai. En tout cas, il faut vraiment que l'information soit diffusée partout pour que vous soyez au courant de la meilleure façon qui soit. Évidemment, j'ai souligné le fait que ça serait quand même tellement plus simple d'avoir une application mobile. Vous recevez une notification, il n'y a plus besoin de se poser la question des multiples cadeaux. Donc ça, je travaille aussi à la création d'une application mobile. D'une façon générale, au sein de l'État français, ils ont un site mobile, mais ce n'est pas une application mobile. Le site mobile, c'est la version lisible sur un smartphone d'un site internet. Bon, la belle affaire, on est bien content, mais ce n'est pas ça que je veux. Moi, je veux une application mobile, ce n'est pas pareil. Parce qu'une application mobile, elle peut envoyer des notifications. Et c'est ça que je veux pour qu'on soit bien informé. Pas seulement pour les Français à l'étranger d'ailleurs, pour plein de choses, l'administration française est très très en retard pour créer ces applications mobiles. Et vous savez ce qu'on m'avait dit à un moment? Ah, ça m'avait scotché, je comprends. J'avais posé la question à ceux qui s'occupent auprès du secrétariat d'État au numérique de la question de ces applications mobiles. Et la réponse qui m'a été faite, c'était dire: ah oui, mais l'État français est très réticent à créer des applications mobiles parce que vous comprenez aujourd'hui. Les deux seuls vecteurs de téléchargement de ces applications, c'est Apple et Android. Donc ce sont des Américains, donc on n'a pas le contrôle de notre application. Bon, ça me fait sourire. Je comprends, mais on est dans l'achat, enfin le téléchargement d'une application mobile. Bah oui, bah dans ce cas-là, je vais leur envoyer le paquet, mettez le problème au niveau européen et demandez à l'Europe de créer un outil de téléchargement des applications mobiles. L'Europe fait bien des choses pour l'intelligence artificielle, vous l'avez vu dans une vidéo de la semaine dernière, et bien qu'elle le fasse pour les applications mobiles. Je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Voilà, je veux pas être dans l'IA qu'à faucon, mais il y a des moments où il faut se donner les moyens et taper du poing sur la table. Alors. Ensuite, une chose très importante aussi, qui est faite aussi au sein des impôts des non-résidents, quand on n'a jamais payé au compte d'impôt en France, parce qu'on n'y avait pas de revenus, ou bien on est parti depuis très longtemps, et du coup les impôts nous ont oubliés, on n'a plus du tout de compte, d'espace, on n'a plus rien. Eh bien aujourd'hui, si on avait brutalement, parce qu'on s'est acheté un petit bien immobilier et qu'on en tire quelques revenus, et qu'on a envie à ce moment-là, qu'on a besoin à ce moment-là de les déclarer pour payer des impôts, la première année, eh ben, il fallait passer par un formulaire papier. Il fallait remplir en papier, l'envoyer au centre des impôts des non-résidents à Noisy-le-Grand. Et c'est seulement après cette première déclaration qu'on avait droit à un numéro fiscal pour se créer son espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr pour ensuite ne tout faire que par Internet. À l'heure où on rend obligatoire la déclaration de revenus par Internet, ça posait quand même un problème. Il y avait une petite incohérence, n'est-ce pas? Donc, c'est fait. Désormais, on pourra créer un identifiant fiscal dès la première déclaration sans avoir besoin d'attendre un an. Donc, on pourra se créer un espace fiscal personnalisé dès la première déclaration de revenus, donc avoir son numéro fiscal dès la première déclaration. Donc, ça se fait pour. Alors, il faut juste savoir que. On peut aussi l'avoir si on a acheté un bien immobilier en France, pour qu'on ne met pas en location. Donc, c'est juste pour notre propre jouissance. À ce moment-là, on a juste sur ce logement à régler une taxe foncière et une taxe d'habitation. Et ça se fait auprès de la trésorerie locale, là où se trouve le bien immobilier. Eh bien, même pour ça, on peut maintenant aller les voir ou les contacter et leur dire, voilà, je viens d'acquérir un bien sur votre commune. Je veux mon espace fiscal. Je n'ai pas d'espace fiscal à moi parce que j'habite à l'étranger depuis des années et que je n'avais rien en France. Pouvez-vous me donner mon numéro, mon identifiant fiscal? Et ils vous le donneront. Donc, que ce soit par la DINR, parce que ce sont des revenus d'activité qu'on réside à l'étranger, ou un revenu foncier qu'on réside à l'étranger, ou parce qu'on a acheté un bien en France, on n'a aucun revenu, mais juste ce bien pour lequel on doit payer une taxe foncière ou une taxe d'habitation. On peut le faire avec la trésorerie locale. Alors, ensuite, qu'y avait-il d'autre pour finir? Voilà, donc là, c'est juste de l'information qui sera plus disponible. En revanche, il ne sera pas possible
d'avoir un espace fiscal unique dans lequel on aurait nos revenus, que ce soit activité ou foncier, et la taxe foncière et la taxe d'habitation. Ça, c'est pas possible pour le moment. Il y a un problème de, qu'est-ce qu'ils m'ont dit ici, de compatibilité informatique et des investissements informatiques qui sont au-delà de ce que l'État peut faire pour le moment. Donc ça dort. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous ai parlé de la CFE, je vous ai parlé des retraites, je vous ai parlé des impôts. Je reviens aux questions, s'il y a des questions qui sont arrivées en attendant. Les dépenses d'entretien, dit Pierre, pour les résidences secondaires. Pierre, sachez que je pousse pour tout. De toute façon, c'est en demandant grand comme ça qu'on obtient grand comme ça. Donc, il faut être très ambitieux pour espérer avoir ça. Donc, est-ce que les dépenses d'entretien seront uniquement là-dedans et pas là-dedans? Ou est-ce qu'on oscille là-dedans? Mais écoutez, rendez-vous dans quelques temps quand j'aurai pu voir la direction de la législation fiscale et discuter avec eux. Et ben voilà, il est déjà 10h04. Je vous ai dit beaucoup, beaucoup de choses. Je vais continuer mes petites vidéos de la semaine, n'hésitez pas à les regarder. Je voudrais signaler également que nous sommes en période électorale, campagne électorale, et qu'à partir du 6 mai, on sera ce qui s'appelle en période de réserve, et que donc je ne parlerai jamais de la campagne électorale dans les newsletters. Je ne vous enverrai pas non plus de mail par rapport à la campagne électorale, je n'en ai pas le droit. Pourquoi? Parce que les outils que j'utilise pour vous envoyer des emails, c'est un logiciel spécial. Il est financé. Ça coûte cher de faire un mailing à. J'ai un fichier de 60 000 adresses email. Je passe par un outil que je paye tous les mois et il est payé avec mes indemnités de frais de mandat. Eh bien, ce paiement, qui est donc de l'argent public que je reçois de l'Assemblée, je n'ai pas le droit de l'utiliser pour des envois de mailing pour de la propagande électorale. Donc, vous ne recevrez aucune information de propagande électorale de ma part par email ou par newsletter. Ensuite, je serai amenée à participer, je l'ai déjà fait la semaine dernière en Périgord, à des meetings de campagne électorale, et là, tous les frais sont intégrés à la campagne électorale. En revanche, sur des réseaux publics gratuits, comme Facebook, Twitter, Instagram, là, j'ai le droit de parler d'Europe. Donc, je ne parlerai d'Europe que sur les réseaux sociaux, et comme je l'ai toujours fait, sans aucun achat d'espace publicitaire, donc je ne sponsorise absolument pas ma communication. Je ne parlerai d'Europe que sur ces moyens-là. Donc, si vous voyez des vidéos, de même, c'est moi qui les tourne en selfie vidéo et elles sont balancées comme ça. Il n'y a aucun argent public qui sera utilisé pour le montage vidéo, pour je ne sais quoi derrière, pour faire de la propagande électorale. Voilà, je voulais être très précise sur ce point, c'est très important. Évidemment, l'Europe est un sujet qui me tient à cœur et on est bien tous d'accord que le 26 mai, je vous demande d'aller voter. Je vous demande aussi, je vous dis aussi que les procurations sont ouvertes partout. Et que vous pouvez dès à présent donner une procuration, que tous les partis politiques mettent en place des plateformes qui vous permettent de trouver un mandataire alors que vous ne le connaissez pas et qui votera pour le projet que vous souhaitez soutenir. Et ça, tous les partis politiques le font, pas seulement La République En Marche. Donc, c'est possible. Et voilà, les procurations, dès maintenant, vous pouvez le faire. Alors, j'insiste beaucoup, pourquoi? Parce que vous savez que dans la réforme constitutionnelle, moi, mes petits camarades de banc en hémicycle, hein, quand on parle de réduction du nombre de parlementaires, ça les arrangerait bien que les parlementaires à l'étranger disparaissent. Parce que franchement, ils ne comprennent pas trop à quoi on sert. Hein. Et donc, là, l'enjeu, il est très fort. Plus la participation aux européennes, je ne parle pas du vote, je parle de la participation, le bulletin de vote qu'on met dans l'urne, plus cette participation sera importante. Plus ils verront que nous comptons, que nous pesons, et plus on a de chances de conserver notre existence, à la fois de parlementaires, mais tout court de Français à l'étranger, pris en compte dans le destin national. Donc on vient de parler de fiscalité et du souhait que nos charges soient de plus en plus nombreuses à être déduites de nos revenus en France. C'est bien, mais si on veut que cette voix, que cette demande soit entendue, il faut que ce soit donnant-donnant et que nous, on porte, qu'on montre qu'on apporte quelque chose à la nation et peut-être qu'on nous donnera en retour. Donc, je vous en supplie, allez voter, c'est essentiel. Aux dernières européennes, en 2014, la participation était extrêmement faible à l'étranger, on était de l'ordre de 8%, je crois, c'était une catastrophe. Enfin, en plus, un contexte qui vraiment intéressait personne, on était raccroché à une liste sur Paris parce que c'était des listes régionales. Là, on est dans des listes nationales, on est sur un projet national, sur un projet européen. Je vous en supplie, allez voter.
Moi, je rêve de prouver. Alors, si la 11e peut être un élève modèle, ça serait fantastique parce qu'on a des handicaps, nous, avec les distances. Et si on arrive à se bouger et avoir un super taux de participation, alors c'est quoi? Je vais quand même donner des chiffres. Je vais vous dire, il y a certains consulats qui tablent sur une participation entre 10 et 15 %. Moi, je veux les faire mentir. Je veux les faire mentir et je veux leur montrer qu'on s'est trompé. J'aimerais qu'il y ait la queue devant les bureaux de vote pour leur montrer que les Français à l'étranger, ils s'intéressent à l'Europe. Vous savez bien, vous qui êtes en Chine, vous qui êtes en ASEAN, quand on veut parler à des grandes puissances comme l'ASEAN, comme la Chine, comme l'Australie, mais c'est l'Europe qui compte. Qu'est-ce qu'on est en train de négocier comme traité là? Comme on a vient de signer un traité avec le Japon, mais le Japon, il n'a pas signé avec la France, il a signé avec l'Union européenne. L'Australie, elle ne signe pas avec la France, elle a son projet en préparation, elle signe avec l'Union européenne. Et on va même protéger toutes nos appellations d'origine contrôlée. Et ça, c'est la force de la France. La France aurait été toute seule contre l'Australie. Je voulais que je vous dise, l'Australie, elle continue à vendre sa mozzarella australienne ou sa feta australienne. Parce qu'on est, enfin, là, ça aurait été en l'occurrence, si elle avait négocié toute seule avec l'Italie ou toute seule avec la Grèce. Eh bien là, on a protégé nos appellations. L'Australie a dit, OK, je m'incline, j'arrêterai de vendre de la mozzarella australienne ou de la feta australienne. Et voilà, on a gagné parce qu'on était forts, nombreux, unis et qu'on s'appelait Europe. Donc l'Europe, c'est important, je vous en supplie. Allez voter et faites mentir les projections des consulats. Prouvez-leur qu'on est important, qu'on pèse et qu'il faut donc nous écouter quand on a envie de certaines choses, notamment sur la fiscalité. Allez, je m'arrête, je suis trop bavarde, il est 10 h 10 déjà. C'était un plaisir de vous retrouver tous et je vous donne rendez-vous dans un mois. Le mois prochain, début mai, je serai le premier samedi de mai, je serai à Singapour. Et donc, je vous donne rendez-vous depuis Singapour pour notre prochain Facebook Live. D'ici là, en vidéo. D'ici là, par email. N'hésitez pas pour toutes vos questions. Je suis à votre disposition. Bonne semaine à tous. Bon mois. Bon changement horaire pour la Nouvelle-Zélande qui change d'heure incessamment sous peu. Parce qu'on va retrouver 10 heures de décalage horaire. Et rendez-vous le mois prochain.